Bonjour à tous les amis, donc c'est Compère, et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 du LP. Donc on se retrouve, comme je l'ai dit, pour l'épisode 6. On est déjà à l'épisode 6, ça passe vraiment vite. On se retrouve sur un beau coucher de soleil et sur PNG City. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 du LP. J'espère que c'est 6. Oui, j'ai publié le 5 hier, c'est 6. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui au rendez-vous, on va faire un peu de déco. Pour la première fois de la saison avec vous, je vais essayer de décorer ça en vidéo. Et par la suite, on ira s'occuper un peu des PNJ. Et on ira, comment dire, aménager un peu le village et de 1. Mais ça, je ferai sûrement hors vidéo, hors caméra. C'est-à-dire faire en sorte que tout ça soit un peu plus beau. Et on va faire de la reproduction de PNJ. Donc on va faire une petite usine à PNJ. Je sais pas trop où est-ce qu'on va la faire. Je pense que y a pas d'église dans ce village, non. Je pense que je ferai une sorte de tour avec des PNJ. Je ferai sortir après dans le village et je vais sécuriser tout le village autour pour faire en sorte que le village se peuple à l'infini. Ça m'a l'air d'être bien. Voilà. On va faire une petite usine à villageois. On va sécuriser un peu ce village et on va commencer un peu la reproduction du villageois. Donc ça va être assez intéressant parce qu'on peut avoir beaucoup de choses intéressantes avec les villageois, contrairement à ce qu'on peut croire. On peut avoir des livres, enfin surtout moi ce qui m'intéresse surtout c'est les livres enchantés, mais c'est surtout qu'on va en avoir besoin après si je veux faire j'ai dans l'idée de faire une usine à faire, pas tout de suite parce que je vais en faire une très grosse, mais prochainement je ferai sûrement une usine à faire. Et donc on va avoir besoin de beaucoup de villageois et donc c'est bien d'en avoir sous la main. Donc je pense que je les stockerai dans une des maisons ou quelque chose dans le genre. Ou je verrai. Ou je ferai sûrement un système de triage. Tous ceux qui m'intéressent pas, j'ai garde dans une cage pour les usines. Et tous ceux qui sont bien, je les laisse se balader librement dans le village que j'aurai sécurisé. Bref, on va s'arranger. J'espère qu'ils sont toujours là, qu'ils n'ont pas de dispo. Non, ça a l'air d'être bon. J'avais pas trop regardé ce qu'ils vendaient, mais on verra bien. Voilà. Donc je vais chercher de quoi faire la déco pour la petite machine à rails qu'on a fait dans le dernier épisode. Et puis on va se retrouver juste après. Le temps aussi que je me remémorise ce que je voulais faire comme déco parce que j'ai un peu oublié. Et donc je vous dis à tout de suite. Re les amis, on se retrouve un peu plus tard. J'ai pris les quelques matériaux dont j'avais besoin. J'espère qu'il n'y a pas manqué de matériaux spécifiques. Je vais essayer de faire de l'architecture avec vous, une première, surtout pour moi qui ne suis pas un grand fan de l'architecture. Ah, et je me rends compte déjà qu'il manque quelque chose, bon c'est pas grave, je vais crafter avec vous. Ici je voulais mettre une lampe de glowstone, 1, 2, 3, 4. Ah, comme ça vous allez voir comment est-ce qu'on craft une lampe en redstone, même si vous devez le savoir pour la plupart. Mais bon, ça fait toujours du bien, comme je dis, de revoir les crafts parce que moi j'ai tendance à les oublier un petit peu. Mais ça faut pas le dire. Je vais faire une sorte de structure un peu comme là-bas, un peu western, un peu comment dire, un petit peu très très rouge, très orange. Hop là, parce que c'est les matériaux que j'ai sous la main et donc en plus ça va bien avec le décor. J'ai mis un pilier ici, j'ai juste rallongé le levier pour pouvoir y accéder ici. Ici, je vais mettre des blocs pour recouvrir un peu la redstone pour pas qu'on la voie trop. Et ici, je vais placer de la cobble. Comme ceci, pour donner un peu un. Pour faire un petit sol au niveau du. Au niveau de là où on aura nos rails. Donc après je vais remettre mes rails bien sûr. Juste 30 secondes, je reviens. Heureux les amis, désolé de cette petite interruption imprévue, c'est juste que j'ai un pote qui est venu sonner chez moi. Et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup commenté là ces dernières secondes. J'étais. Je sais pas, vous avez sûrement entendu la sonnerie, bon ouais, c'est pas grave. On reprend là où est-ce qu'on en était. Juste, il me semble ici que. Il me semble que je voulais. Je pense que je vais. Parce qu'ici, il va y avoir un pilier, ici. Je vais sûrement.
Je me rappelle plus trop comment est-ce que j'ai fait. Je crois que je vais essayer quelque chose. Voilà, comme ceci. En gros, je vais faire descendre le signal ici. Je vais le faire rentrer dans le bloc ici. Et donc, du coup, je peux mettre un pilier ici. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Donc, ensuite, j'ai pris quelques barrières. Parce que j'en ai avoir besoin. Hop, alors, on va les mettre comme ça. Voilà. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une sorte de. Pas de toit, mais de. C'est un peu galère à expliquer. Faudrait de la bouse, j'en ai. Pour placer les blocs, ça sera mieux. Voilà, comme ceci. En gros, ce que je veux faire, c'est une sorte de. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais. Ah zut, c'est très le trou de mémoire. Une sorte de toit qui arrive devant et qui est soutenu par des petits piliers. C'est pas vraiment un toit, c'est mou. Enfin, c'est pas mou, mais. Bon, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. En gros, je veux faire une avancée sur l'avant, une sorte de petit toit qui protège. Mais c'est d'habitude c'est en toile, enfin une sorte de toile en gros qui passe devant. Donc la continuité du toit, voilà, comme ceci. Après sur les côtés, je me rappelle plus du tout si c'est comme ça. Hein, je vais jouer avec vous en même temps, parce que je me rappelle plus du tout. C'est comme ici, là. Ici, je crois qu'il y a un pilier ici. Voilà. Donc c'est. J'ai un peu du mal à commenter là parce que c'est. Je suis très concentré. Ce moi et l'architecture, ça fait zéro. Mais ça, vous le savez déjà. C'est juste ici, je me rappelle plus ce que j'avais fait. Comment est-ce que j'avais fait mon compte? Je crois que j'avais fait comme ça. Oh là, je me rappelle plus du tout. 30 secondes, je vais regarder comment est-ce que j'ai fait et puis je reviens vers vous. A tout de suite. Oups, j'ai oublié de couper. MDR. Donc, ce que j'ai fait est bon. Hein, c'est jusque-là, c'est bon. Juste ici où ça va se compliquer un peu. Je crois que c'est. Non, c'est pas comme ça. C'est un étage plus bas, il me semble. Si jamais je me rappelle bien. Yeah. Je crois que ça ressemblait à peu près à ça. Le trou de mémoire. Bon, je reviens. Désolé. Mais j'ai vraiment pas l'habitude de construire enfin, j'essaie de construire pour faire avec vous un peu d'architecture, mais j'ai vraiment pas l'habitude. D'habitude, ce que je fais, c'est que pareil, je regarde tous les 30 secondes parce que j'arrive pas à retenir. Autant les systèmes Redstone, ça marche, mais enfin, j'arrive, mais là, pour la construction, c'est autre chose. Bon, je reviens, désolé. Donc, on est de retour avec un joli freeze, merci. D'accord, c'est quand je me connecte sur la map, à chaque fois, j'ai un petit coup de lag, j'aurais pas dû commencer à filmer dès que je me suis connecté. Ah, c'est bon, ça arrête de freeze? Il se tape des barres le jeu là? Attendez, j'arrête de filmer, je reviens. Donc c'est bon, les freeze sont passés. C'est extrêmement chiant là. Je sais pas pourquoi ça me le faisait. Donc en fait, moi je vois les FPS, mais vous les voyez pas. Mais en gros, ça montait à 30 FPS. Après ça freezait. Et ça remontait à 30 FPS. Donc ça faisait 30, 0, 30, 0. Un petit peu chiant. Mais bon, bon c'est passé donc c'est bon. Mais. Heureusement que ça n'a pas duré, ça m'a vite énervé. Donc, je terraforme un peu ici. Donc c'est bon, je me suis souvenu. Enfin, je vais regarder comment est-ce que j'avais fait. Parce que je construis à chaque fois tout avant. Enfin, même là, j'y vais pas à l'impro. Parce que c'est un peu la galère. Après, si jamais je suis plus à l'aise avec l'architecture, j'essaierai de faire plus à l'impro. Mais là, c'est un peu dur déjà pour moi. Donc, je vais refaire des demi-dalles. Parce que. J'en ai avoir besoin de pas mal. Aussi, enfin, ça c'est une anecdote, mais j'ai déjà tourné un épisode 6, mais je ne vais pas le publier, cet épisode 6-là, parce qu'en fait, j'ai eu un petit problème, c'est que j'ai construit un système qui m'a pris à peu près un épisode, et impossible, enfin, comment dire, le système ne marchait pas. Il voulait pas marcher, enfin impossible de. Enfin, c'est pas ça. En fait, c'est un de mes systèmes à moi, mais
J'arrivais pas, enfin en gros le système ne marchait pas en fait. Et je m'en suis rendu compte qu'à la fin d'épisode. Du coup, j'ai préféré ne pas le publier plutôt que de publier quelque chose de... Enfin, un épisode entier pour se rendre compte à la fin que ce que j'ai fait, c'est pas bon. Je trouvais que ça servait à rien. J'ai préféré retourner un autre épisode 6. Donc si vous voulez savoir ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de faire une usine à Silverfish. Mais un modèle à moi, mais le problème c'est que j'ai eu quelques petits problèmes. Et donc du coup j'ai préféré ne pas le publier. Mais je referai sûrement l'usine à Silverfish dans un autre épisode. Faut que je retravaille dessus en créatif pour faire quelque chose qui marche. Sinon ça pourra le faire. Voilà. Donc là je fais un peu le toit en fait pour... je fais des sortes enfin, je fais en sorte que le toit se parte un peu sur le côté. Comme ceci. Voilà, pour pas faire un toit uniforme partout. Vais faire comme ça. Voilà. Comme ceci. Et après, je vais mettre des barrières pour rajouter un peu d'épaisseur. Pour faire genre que ça soutient. Voilà, comme ceci. Après, ici, on peut rajouter des barrières. Est-ce que... Oui, je me rappelle de ce que j'avais fait. J'avais fait quelque chose comme ça. Ah oui, c'est vrai, je peux pas les mettre directement. Ça, j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on pouvait pas mettre directement des barrières, enfin des barrières comme ça, alors que les autres on peut, c'est assez étrange. Et là ici je vais mettre ça comme ça, et je vais retirer ça. Voilà. Donc là ça nous fait notre petite usine, qui est assez bien décorée, je trouve que ça rend pas mal. Donc après ce que je vais faire c'est qu'ici je vais mettre des herbes hautes, comme ça on verra plus les systèmes. J'ai pas de bonne mille sur moi, mais je dois en avoir. Et voilà, donc faudra que vous me donniez vos avis dans les commentaires, hein, n'hésitez pas à me donner vos avis, et les frises reviennent sur les constructions que je fais parce que je peux pas trop savoir, donc je vérifie quand même que ça marche. Ça m'a l'air d'être bon, il y a juste ici où j'aurais pu mettre... Bon c'est pas grave, j'aurais pu mettre ici de la clé derrière ce piston parce qu'on voit là quand on active. Mais bon c'est pas grave. Voilà. Donc, un petit design sympa pour l'usine à rail. Donc, je pense que là, je vais aller refaire un peu le village qu'il y a derrière. C'est-à-dire terraformer un peu tout, réhabiliter et faire une muraille autour. Donc, je vais essayer de faire ça en timelapse. Premier timelapse de la saison. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, je vais voir avec vous. Et donc, on va se retrouver. Je vais voir. Enfin, vous allez voir s'il y en a un ou pas. Le problème c'est que si je fais un timelapse, il faut que je filme avec un autre compte. Bon, on va voir. Donc je vous dis à tout de suite. Feels like, oh, I'll show you what it feels like. Now I'm on the outside.
Thank you.